Allo tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni 2, la cinquième vidéo de Ni no Kuni. Je suis sûr que vous l'attendez cette vidéo. Ouais. La belle musique. Dans les dernières vidéos, qu'est-ce que j'ai fait? Dans la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? On a été... j'ai fait une épreuve. Auquel que j'ai obtenu un gardien. Et nous avons décidé de venir à... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais dans cette place où que je suis en ce moment. Pour bâtir le nouveau royaume. Ah, tante avec des oeils de chat. Ah, ils ont tout ça! J'ai comme objectif en ce moment d'aller voir le roi de la forêt. Qui est le roi de la forêt Nier. Et ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et oui, cet été, durant le mois de juillet, j'ai fait un petit tirage de vidéos. Comme que vous avez pu voir. 4 vidéos en un mois. Vous me tentez. Là, nous sommes... soit au mois d'août, soit au mois de septembre. Je sais pas. Bon, au niveau là, arrêtons de parler. C'est la masse. C'est pour ça qu'elle veut venir. Parce qu'elle veut vendre... sa marchandise. Hey, j'ai 3448 florins. Parce que la monnaie est du florin. Il faut s'en aller par là. Sauf que j'ai pas le choix. Vous vous souvenez dans la première et la dernière vidéo? Je suis avant un chapitre. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est avant le changement de chapitre. Qu'on a pu le voir. Avant le chapitre 2, puis avant le chapitre 3. Je me trompe pas. C'est un moment important. On voit une personne parler de... qui donne des conseils. Je sais pas si vous... Oh, on est sur le bord de la mer. Ou de l'océan, peu importe. Je sais pas si vous l'avez remarqué. La première fois, ok. C'est peut-être à cause que... il l'a peut-être rencontré puis se souvient de ça. Mais là, la deuxième fois. Parce que moi j'ai pensé. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pensé la première fois. Bon, c'est sûrement qu'il se rappelle de ça que quand son père est mort, tout ça. De pas s'en faire. Mais la deuxième fois par contre. La deuxième fois, par contre, c'est complètement une autre histoire. Ouais, on prend tout celui-là. La deuxième fois, il peut pas l'avoir dit d'avant. C'est pour ça que... ouais, juste une ouvrière. D'accord, allons-y. Il peut pas l'avoir dit d'avance. Comment tu veux qu'il sache d'avance qu'il va faire créer un royaume? Watch your backs. Un centaure. Niveau 14, je pense que c'est niveau 21. Par derrière. Ah, fuck! Evan! Come on.
Mon dieu, ça... Ah. Ouf. Pas évident, hein? Ah, fuck! Ah! C'est étoyable! On va devenir retourner avec un peu. Ok, on va prendre la sortie de la rien sans faire. Ah. Faut que. Désolé là, mais faut que j'y aille. Seulement. Faut que je le vainque. Absolument. Ça va être évident. On va retourner au château. Bon, au château, faut le dire vite, le château. On va y retourner parce que faut se restaurer la vie, parce que on s'entend que j'ai juste relent. Pas évident. Vous pensez que c'est facile là? Je dis que non. Vous avez vu ce monstre? Il a l'air différent des autres.
Et tu as raison de penser ça. Tu vois cette sorte de fumée qui émane de lui. On appelle ça l'aura magnifique. Elle prend le contrôle de celui qu'elle enveloppe. Ces derniers temps, les monstres sauvages sont tous devenus plus agressifs, mais ceux qui ont cette aura sont les pires de tous. Évidemment, comme ils sont très dangereux, on peut recevoir une belle récompense si on réussit à en éliminer un. Mais si tu tiens à la vie, il vaut mieux les laisser tranquilles. Compris, il ne faut surtout pas s'en approcher. Oh. Le jour tombe et la nuit se lève. Ouais, t'es drôle que je la livre. La justesse. Oh. You ready for this? C'est beau quand même. C'est bizarre, il y a plein de papiers collés sur les arbres. Et tout pourtant, le signe de Gamblor. Gamblor. C'est un royaume qui se trouve près d'ici. Il paraît qu'il est encore plus peuplé que celui de Carabas. Il se connaît. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et on veut voir le maître Nir. Mais vraiment là, c'est beau. Une phonie là. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là. Une certaine barre, puis après ça. Je sais pas. Oui. Faites-moi travailler ici. Et puisque je te dis que nous avons assez de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Gosh. On dirait qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Combien de fois allons-nous devoir nous répéter? Vous n'avez pas besoin de faire
plein frais. Mais tout le monde a besoin de pain frais. Faites-moi travailler ici. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Excuse me? Ah, une mistigrie, c'est ça? Tout va bien? Pas vraiment, non. Cette personne insiste à devenir le cuisinier personnel de Maître Nir. Mais rien du tout. Faites-moi travailler. Wow. Par tout hasard, vous ne seriez pas la Sa Majesté Evan? Dis-moi, je ne vois pas tes oreilles avec ton chapeau. Mais tu ne serais pas un mitigri? Exactement, je m'appelle Hercule et j'étais citoyen de Carabassa. J'étais cuisinier avant de fuir la ville après le coup d'état. Si tu tiens tant que ça à trouver du travail, pourquoi ne pas venir dans mon royaume? Je viens juste de le fonder dans les plaines de Primitia. C'est vrai? Vous voulez bien de moi? C'est fantastique. J'avais peur de ne pas trouver l'endroit où aller. Si vous me le permettez, j'aimerais devenir votre cuisinier pour l'instant. Je ne sais faire que du pain, mais j'apprendrai vite. Vous savez. Faisons comme ça. J'ai hâte de goûter à tous tes plats. Génial! Dans ce cas, je pars sur le champ Primitia. Mais voilà. Thanks. À plus tard, votre majesté. D'accord. Oh, Crevins. Merci de nous avoir débarrassé de lui. J'ai cru que ça n'en finirait jamais. J'imagine que vous souhaitez rencontrer Maître Nir ou votre altesse, vos juges, peu importe. En guise de remerciement, nous vous laissons le rencontrer sans poser de questions. Par ici, je vous prie. Il suffit juste de débarrasser de quelqu'un pour y aller, sans qu'il se pose de questions. Bon, à savoir. C'est ça qui me change l'arme automatiquement. Who are you? Eh? De quoi? Des armes vous voulez que je vous donne? Pourquoi? Pour quel royaume vous construisez? Oui. Quand ce genre de choses on veut demander les manières, il faut y mettre. Pour commencer, il aurait fallu qu'en personne votre roi vienne me parler. Je suis là? Oh, aïe. Mais nous comprendre, nous avons dû, c'est ton roi que je veux voir, qui vienne ici et peut-être discuter, nous pourrons. Mais c'est moi le roi. Il dit vrai. Et il y a même un gardien pour le prouver. Howdy do! Ezio, enchanté! Help my boy! Dorsna, une certaine présence d'un roi dégage, ça. Et chez toi, aux yeux, ça ne saute pas. Oh. Je n'ai pas la prestance d'un roi. Hi. Evan! Et ancien roi de Carabas, on lui a dérobé son trône dans un coup d'état. Mais désormais, il est déterminé à bâtir un nouveau royaume. On fait pas plus royal que ça, quand même. La réaction de lui, peu exagéré, je trouve. Nom d'un hibou, le roi Evan que tout le monde dit mort. Quelle histoire captivante. De vous donner de l'aide, tout cela me donne envie, mais malheureusement cette forêt à moi n'est plus. Cette année, y a-t-il lors d'un pari l'a gagné? J'imagine que vous parlez du grand Manitoutou de Gambre Blor.
Pardon, il va falloir me donner plus de détails. Gamblor est dirigé par Yazzie, plus connu sous le nom de Grand Manitoutou. En gros, on peut dire que Saint est le roi. Aye. À venir visiter cette vieille Yazzie m'a invité un jour à un jeu de dés. J'ai joué, mais les défaites j'ai enchaîné. Énervé par parier l'intégralité de ma forêt, j'ai fini et lamentablement j'ai perdu. De mes arbres se sont emparés les soldats de Gamblor, de les couper et de faire un grand vacarme. Ils n'arrêtent pas. Je vois les papiers que nous avons vus coller sur les arbres et des noms simplement des abus de saisie. On peut dire que la forêt d'Anir ne porte plus bien son nom. Moi, ça m'étonne pas que vous ayez perdu. Selon la rumeur, la triche règne là-bas. Exactement. Tout est que truqué. Sûr et certain, j'en suis. Le roi d'un pays qui triche au dé. Cette histoire s'avère vraie. C'est un véritable scandale national. Maître Nir, j'ai une proposition à vous faire. Nous allons forcer votre Yazzie à vous rendre votre forêt. Et en échange, vous nous fournissez du bois pour notre royaume. Si vous réussissez toutes les arbres que vous voulez, je vous donnerai. Il donne d'une certaine façon la forêt à la place des autres. Affaire conclue. Ça te va, Ivan? Yes. Oui, surtout si on peut venir en aide à Maître Nir. Allez, en route pour Gamblor. Pour sortir d'ici. Avec un téléporteur. Ah, ça c'est le fun. Bon, nous sommes arrivés au royaume de Gamblor. Et je sens qu'elle a son niveau est plus beau. Ah, je suis pas sérieux. Oh my! Flip it up! C'est la première fois que je mets les pieds à Gamblor, mais cet endroit est à la hauteur de sa réputation. Ça, c'est un pays qui est en jet. Il paraît qu'il y a un gros casino géré par le royaume lui-même ici. Ça attire beaucoup de touristes du monde entier. Le royaume gère un casino intéressant. Mais tout d'abord, rendons visite à ce Yazzie. Tu as raison. Le plus important, c'est de rendre sa forêt à Maître Nir. Mais où pourrait-on le trouver? Qu'en penses-tu du gros château là-bas? S'il est vraiment une sorte de roi, je suis prêt à parier qu'il vit là-bas. Il faut admettre que c'est l'option la plus probable. Dirigeons-nous vers le château. Ce château. Si on peut dire que c'est une ville chinoise. On peut dire ceci. Apparaît que c'est fait au japonais. Peu importe. Parce que c'est japonais le jeu, quand même. Que se passe-t-il? Il y a peut-être une fight? Un loup? Un chien? On dirait. Vous pointez votre truffe au bon moment. C'est aujourd'hui qu'on laisse le grand
Boudé décidé de notre impôt mensuel. Si jamais le vénérable Boudé nous lance un L, on ne paiera aucun impôt ce mois-ci. Bonjour, c'est pas moi. D'accord. Quoi? Aucun impôt? Ouf. Mais là, on vient de subir un 6 de mois de suite. Et ça fait quoi, le 6? Nos impôts sont multipliés par 6. What? Hein? Hein? Mais comment vous faites pour payer tout ça? C'est dur, mais c'est comme ça. Quand on laisse le hasard décider, j'espère vraiment qu'on va avoir un L cette fois-ci. Laisser le hasard décider des impôts, je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Ah bon? Moi je trouve que c'est plus grinçant de laisser le hasard décider. J'en ai les moustaches qui frétillent. Et les dés s'occupent des procès par chez vous aussi. C'est le glorieux Boudé qui juge si quelqu'un est capable ou pas de Boudé pour Boudé. What? Pardon? Non, de réagir. Tu veux dire que la justice dépend du hasard? Eh oui, avec de la chance, on est innocenté. Et quand on n'en a pas, ben, c'est qu'on est coupable. Drôle de mentalité, par contre. Ah, voilà le grand Manitoutou. La cérémonie du lancer de dé va commencer. C'est, je suis sûr que c'est un fille. Manitoutou, toutou, tous vont laisser par un chien. Et j'ai raison. At last, it is time. What number did she want? Low number one, please be right. I can hardly bet an egg. Lady of Fortune, may luck be on our side this month. Les impôts du mois sont donc multipliés par 16. Veillez à payer Ruby sur l'ongle. C'est pas possible, encore un 6. C'est le hasard qui décide en Uberie. Hasard truqué. Maintenant, on sait à quoi ressemble ce grand Manitoutou. Parce que c'est un chien. Quoi, comment ça arrive? Selon le jeune garçon de tout à l'heure, cela serait donc le troisième mois de suite que les impôts sont multipliés par 6. C'est très louche cette histoire. Ça sent la triche, pas vrai? C'est clair. Mais on n'arrivera à rien sans preuve. Allons voir ce que leur Manitoutou a annoncé. Ce bâtiment s'appelle apparemment le Palais des Étoiles. C'est là que Yatsi est entré tout à l'heure. Cet endroit est interdit au public. Nous sommes envoyés par le maître Nir. Nous voudrons parler au grand Manitoutou. Le grand Manitoutou a d'autres sabots à fouetter. Il ne reçoit aucune visite, surtout s'ils sont de banals citoyens. On vient de la porte de Maître Nir, c'est très important. Aucun visiteur. Ici, on laisse le hasard décider. On peut jouer au dé. Si on gagne, vous nous laissez pas parler au grand Manitoutou. La ruse. Vous voulez jouer au dé? Intéressant, j'accepte. Mais si vous perdez, vous devrez me donner de l'argent. De l'argent, hein? Très bien, nous acceptons. Je m'occupe de tout préparer. Préparez-moi quand vous
prévenez-moi quand vous serez prêt à jouer. Il nous oblige, si on perd, il nous oblige à continuer. Mais qu'est-ce que le jeu a pas pensé, c'est que... Oh, sûrement. Bon, on peut juste faire F4 puis revenir. C'est tout. C'est prévu dans le scénario. C'est de les là. On va aller sur Terre. Very well. Bien. On va voir si c'est vraiment de la triche. Ah! C'est de la triche! Oh, qu'il y a de la triche! Je sais pas si c'est prévu dans le scénario, mais fuck! Ah! Hey! Je suis sûr que c'est prévu dans le scénario pour que ça fasse le contraire. Ah, c'est énervant! Non, non. Ciel ou terre? Il va faire terre puis il va mettre ciel. Je suis sûr, certain, 100%. Que c'est truqué. Je savais. C'est tellement prévu dans le scénario. Ah! Faut qu'on perd. Pas le choix. Peu importe ce que je fais, ça va pas donner peu importe ce que je fais, là, ça va donner au même résultat que je perds, tu vois. On va aller dans le ciel. Il va me faire le contraire, il va me mettre me sortir un 6. C'était prévisible! Si après c'est vent, c'est pas le moment d'arrêter. Ça suffit, Ivan. But... Quoi? Mais je suis sur le point de gagner. Bah... Il est pas sur le point de gagner, il est sur le point de perdre. Faisons les comptes. Vous avez donc perdu 3 fois. Vous me devez donc 10 000 florins. Hein? 10 millions de florins? Snakes alive. Hein? 10 millions de florins, c'est n'importe quoi. On avait parié que 10 000... Que 1000 florins à la base. Je vous ai pourtant bien prévenu que votre mise allait augmenter avant la deuxième de la... et la troisième partie. Chaque nouvelle partie multiplie la mise de base par 100 as. C'est donc monté de 1000 à 100 000 à 10 000. 10 millions. Je n'avais pas précisé les sommes, mais une... nous avait effectivement prévenu. Il avait mieux valu être plus prudent. Oh my. Mais je n'ai pas une somme pareille, moi. Very well. Nous pouvons toujours nous arranger. Je vais vous faire crédit. Do not be alarmed. The creature will leave you when your debt is paid. Oh,
Mais comment va-t-on faire? Non seulement on n'a pas pu voir le grand maître Manitoutou, mais en plus, maintenant, on a 10 millions de florins de dettes. You owe me! You owe me! Code, code, codette. Oh, flippin' heck! Mais tu sais, te faire, oui, saleté de volaille. T'as juste à le trancher la tête, c'est tout. C'est perlotte! Y'a bien du monde qui traîne une poule aux dettes dans ce royaume. À ce propos, j'ai bien observé les dés tout à l'heure. Et j'ai trouvé que le troisième bougeait d'une façon étrange. Je me suis dit exactement la même chose. Ah bon? C'est vrai? J'étais tellement absorbé par le jeu que j'ai rien remarqué. Je pense que les dés que le garde utilise étaient truqués. Maintenant que je pense, il a bien dit que seuls les visiteurs du Manitoutou pouvaient utiliser ces dés. Si on pouvait utiliser ces dés de plus près, on trouverait peut-être une preuve de la tricherie à Gamblor. Nous devrons aller regarder au casino. Sachant qu'il est géré par le royaume lui-même, il y a de grandes chances qu'il utilise les mêmes dés. T'as raison. Oui, je suis d'accord. C'est décidé, on y va. You owe me! You owe me! Par contre, drôle de mentalité. C'est probablement prévu par... dans le scénario, peu importe ce que je fais. Alors pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. On va s'y rendre. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous regarder. Ah pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Parce que moi j'ai hâte de continuer. Puis oui, c'est ça que je vais continuer. Bien évidemment. Pour la sixième vidéo. Alors pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ni no Kuni 2, la série à laquelle que j'ai toujours hâte de faire la suite. Ah pour ça, je vous dis, j'ai lu, faut que je me suis avant tout le temps. Merci à tous.